Salut tout le monde, c'est Largo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft sur IVMC. Oui, bon, je sais pas pourquoi j'ai ce skin. Me demandez pas pourquoi, c'est pas moi qui l'ai mis d'ailleurs. Mais bon, c'est un skin que je dois avoir juste sur IVMC. Donc, en vrai, je le trouve plutôt beau, donc je le garde. J'ai découvert il y a à peine 1 minute, mais bon, je le garde du coup. Et bah voilà, on va pouvoir continuer avec le skin. Et on va aller, bon, il n'y a personne en Splague, donc on va aller en... Alors, que je retrouve le nom, voilà, Death Run, voilà. On va aller en Death Run, donc, bon, je suis pas très très fort, pour vous le dire, sachant qu'en plus là, j'ai une main dans le plâtre, comme vous avez pu le voir sur Twitter, sinon je vous affiche la photo là. Voilà, j'ai... Enfin, dans le plâtre. Dans un gros bandage, parce que je me suis fait griffer méchamment par mon chat. Waouh! Et ah bah du coup voilà. Du coup voilà ma vie. Non je rigole. Du coup ouais, bah ouais, du coup j'ai un peu la main qui utilise le clavier, qui a le pouce, qui ne peut pas se déplacer tellement vers la barre espace. Le reste ça va. Mais le pouce peut pas trop se déplacer vers la barre espace. Donc ça bloque un petit peu. Mais on va y arriver, on va y arriver. C'est dommage qu'il y ait pas de que j'ai pas moyen de mettre une facecam pour vous voyez pour que vous voyez en même temps le la main quoi, comment je galère avec la main. Mais bon, c'est pas grave. Ça va bientôt démarrer. 312 points. Waouh. Là, on a rien pour voter, c'est quoi ce truc? Oh, c'est ouais, c'est nos trucs bannières et tout. Alors, qu'est-ce qu'on va être? On est runner, ok. Ça aurait été drôle d'être l'autre personne. Surtout que ça aurait été plus simple après. Alors, ouais, ok. Là, c'est juste une présentation des endroits de la map. Ok, nickel. Prepare to run. Préparez-vous à courir. Waouh, parfait. Allez, c'est parti. Donc, bon. Déjà que ça lag un tout petit peu, c'est un peu chiant des fois. Où il y a les slime blocks en fait qui nous font nous envoler. Faire gaffe à l'eau. Les slime blocks qui nous font nous envoler, c'est-à-dire que en gros il y a des fois non non c'est blocs d'émeraude, j'ai rien dit. C'est pas les slime blocks, c'est les blocs d'émeraude en fait. Ou putain. Les blocs d'émeraude où en fait en vrai ils sont juste devant les mecs. Ils sont juste devant les blocs d'émeraude où dès qu'on saute dessus, on est d'accord oui. On crève avec l'eau. Ou dès qu'on saute dessus, c'est censé nous donner jump boost. Ça donne tellement peu de temps que bah que c'est galère si vous laguez en fait, comme moi quoi. Parce que moi j'arrive sur le bloc et oh putain je suis con. Et le jump boost ça me le donne 3 secondes plus tard. Donc si vous devez enchaîner des jumps par exemple, ça peut être chiant. Ok, on n'a pas moyen de monter là-dessus. En vrai, je sais pas pourquoi. Ok, il y a juste besoin de... Ok, oui. Sauter entre les plateformes, on est d'accord. Voilà. Oh, il y a le timer en bas, je l'avais pas vu. Enfin, dans l'action bar, juste là. Bon, voilà. Et là, on a les trucs pour esquiver. Waouh. Ok. Allez. Ah, non! Putain, je sais même pas faire des sauts. Putain. C'est pas nouveau, mais... Plus là, il n'y a même pas besoin de nécessiter le fait que le pouce puisse se décoller du reste. Parce qu'en soi, c'est pas que j'ai mal au pouce, là, c'est juste qu'il est collé avec le pansement. Donc, hop, ah, nickel. Putain, j'ai eu peur. Voilà, c'est juste qu'il est collé avec le pansement, donc c'est un peu plus galère d'atteindre la barre d'espace qui est plus loin. Il n'y a personne là, on est d'accord. Et ce que ce truc. Bon, ok. Putain! Qu'est-ce que je fous à admirer le paysage? Je sais très bien qu'il est peut-être beau, la map est belle, mais là on est censé courir. Putain, c'est abusé. Ah, ok, nickel. Et hop, il me reste combien de temps avant 18... Merde, ok, 18 secondes. Merde, pas là. Ok, ici. 18 secondes... Bah putain, ouais, je vais pas... Mec. Ah, oui. Putain, oui. Il faut aller au-dessus des tac, au-dessus des blocs, putain. Ah, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, j'ai perdu dès le début. Putain. Je suis nul.
Non, non, en vrai, c'est juste la première partie. On va voir qu'on va réussir les autres. Les autres parties seront bien plus simples, bien plus faciles. Je vais bien mieux les gérer. Oui, j'ai répété plein de mots comme ça qui disent que je vais réussir. Mais c'est le cas en fait. Je vais réussir. Il n'y a pas question. Death Scroll, 1000 tokens. C'est pas marqué le nombre de tokens qu'on a ici. Ok. C'est pas marqué. Ah, achievement. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? That wasn't so hard. Finish à 0 runner, ok. Donc finir comme un mec qui court. Fini une map sans utiliser single strafe. Je sais pas ce que c'est, strafe. Une vie, peut-être. Non. Une vie en plus, je sais pas. Use one of the strafes. Je sais pas ce que c'est. Bon, je vais essayer de voir après à la fin de la vidéo. Mais je sais pas du tout ce que c'est. Sinon, je vais faire une ellipse tout à l'heure aussi. Bon. Strafe, ok. Je vais mettre, voilà. Comme ça, je l'aurai en sauvegarde. Voilà. Juste à faire ça et puis c'est bon. Alors, du coup, là, c'est quelle map, je sais pas, mais on espère courir très vite. Là, ils vont enlever, hop, nickel, ils vont enlever tout ça et moi, je passe après. Parfait. Parfait. Perfect. Ok, rien ne m'est arrivé pour le moment. Et on a le portail. Voilà, c'est bloc ici, comme ça. Merde. Là, c'est juste moi qui ai mal géré, voilà. Ok, nickel. Fire Arrows. Ok. Faut faire gaffe. Mais... Oh, putain, les enculés. C'était même pas eux qui l'avaient fait, ça. Putain. C'est même pas eux qui l'avaient rajouté, ça, je suis sûr. En plus. Ah, bon, c'est bon, ça va, je lag pas trop. Mais c'est même pas eux qui ont rajouté ce trou, putain. C'est de base que ça y est. Et quand un con, je suis tombé dedans. Putain. Aïe. Par contre, là, ouais, ok. Ok. Tac. C'est galère quand il y a des gens avec. On a du mal à estimer les distances. Ok. Ici, et là. Ok, TNT, on s'en fout. Par contre, là... Putain. Oh, 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 yes. Et, oh, bah, il y a personne à droite, en tout cas. Merde. Ah, si, ok. Il doit être dans le coin, parce que là, on voit un... J'ai l'impression qu'ils ont enlevé ça au bout d'un moment. Hop. Voilà. Ah. Putain. L'eau, ça tue, on est d'accord, non? Je suis pas mort. Putain. Je suis passé dedans. Je suis passé dedans, je suis même pas mort. Je suis passé dedans, je suis pas mort, quoi. Ok. On va s'estimer chanceux, mais... C'est bizarre. Putain. J'ai peur qu'il y ait un rollback ou des trucs du genre. Non! Oh! Yes! J'ai rien dit. Putain. Ça vous... Ok. Attendez. Oh. Ok, ouais, là-haut. Là-haut. Ensuite. Oh, le portail là. Ok. What? Hop. Voilà, on passe par là. Là. Ok. Tac, tac. Hop. Est-ce qu'on va finir la course? J'ai envie de la finir. Pardon. J'ai envie de la finir celle-là. Ok, on avait de l'homme boost, c'est bon, nickel. Hop, on passe. Putain. Non, il y a le mec avec son piège là. Comment on fait pour... Attendez. On a... Oh, des blocs invisibles. Ok. Oh, putain, on a déjà perdu. Déjà perdu. Ok, bon, bah je vais voir ce que c'est le mot strafe du coup. Et je vous retrouve dès que je l'aurai retrouvé. Bon, du coup, strafe, ça veut dire mitrailler ou mitraillette. Dans la phrase, ça veut dire sans utiliser a single. Mais je sais pas ce que ça veut dire là-dedans. A single strafe. Bah, je sais pas ce que ça veut dire du tout. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Google Traduction, donne-moi la réponse. A single strafe. C'est tout simplement, donc single strafe, c'est, eh bien, il ne sait pas. Un seul strafe, il a mis. Il sait pas ce que c'est. Ok, bon, bah, c'est pas anglais, apparemment. Ils ont pas leur jeu en anglais. Putain, mais,
C'est de l'anglais. Pourquoi il y a single strafe? Bon, bah ok, mais bon, mitraillé ou mitraillette du coup. Ça n'a aucun sens dans la phrase, mais c'est pas grave. Ça n'a aucun sens. Ah, j'ai envie d'être le mec qui pose les pieds sur les autres. Je l'ai jamais fait. Ouais, jamais. J'ai envie que ce soit moi. Et je suis un merde, un runner. Ok, je vais faire une partie où je suis un mec qui pourchasse les autres. Pas maintenant, mais dans une prochaine vidéo normalement. Parce que bah c'est quand même plus drôle. Bah, voilà, c'est juste plus drôle. Oh, des flèches. Et hop, il nous a pas eu. Ah, peut-être là il va nous avoir. Non, c'est bon. Mais putain, mais c'est abusé, les mecs. Faites pas chier, on les voit tous. On les voit tous passer, ils nous, putain. Ils sont beaucoup trop rapides déjà. Ils gèrent beaucoup mieux les jumps que moi. Mais en plus, on les voit passer comme ça et ok, j'ai peur. On les voit passer, du coup, ça nous embête un peu. Ok, ça nous embête un peu parce que du coup, ils passent devant nous. Ça nous gêne la vision. Putain. Mais les mecs, ils sont beaucoup trop forts devant moi. Oui, je me suis tué parce que j'ai eu un petit souci, je crois, du niveau où je pensais que j'allais fail. J'ai pas fail finalement, donc ça allait. Ok, tac, nickel. Hop, c'est parfait. Ensuite, merde. Putain, le mec, il va en diagonale quoi, carrément. C'est abusé. Le mec, pardon. Le mec va en diagonale quoi. Ok. Là, c'est bon. Merde, faut passer par là. C'est la fin. Oh, j'ai eu. Ouh, mais elle était rapide celle-là. Elle était vraiment rapide. C'était. Putain, mais c'était rapide. Genre. On a mis 2 secondes à le faire. Les mecs qui la terminent pas, c'est quoi ça? S'ils se font martyriser par les autres, par les runners, enfin par les ceux qui les piègent. Ou ça se passe comment? Parce que là, moi, je suis passé tranquille quasiment. Ah! Ah oui. Là, il reste là pour les faire chier, déjà. Ok. Bon, déjà, ok, voilà. Je peux passer par là. Mais il reste. Ah non, il reste pas dans le coin. Là, il reste. Non, il essaye de passer. Ouais, il reste pour les empêcher de passer à la fin. Là, il y a le truc de fin est juste dessus. Oh, GG. Mais il a pas réussi à finir la partie. Il a pas réussi à finir. Zéro mort. Je suis mort 0 fois là. Oh bah ça c'est cool. Bon bah voilà, c'est la fin de la vidéo. D'ailleurs, au fait, si vous voulez noter le skin, n'hésitez pas à le noter en commentaire. C'est pas moi qui l'ai fait, mais notez le skin en commentaire pour voir quelle note vous lui mettrez sur 10. Mettez une note sur 10, vous mettez hashtag note ce chat. Voilà. Voilà, je mets le hashtag note ce chat, espace, ou ce que vous voulez, hashtag note ce chat, et puis vous mettez votre note sur 10. Que ce... Putain, je suis en train de flamber. Que ce soit cool de voir vos notes sur ce skin. Voilà, moi je sais pas quelle note je lui mettrais. Là, il est vide devant en fait. D'ailleurs, putain, en fait, tant qu'on y pense, c'est un skin de chat. Et puis juste aujourd'hui, il y a mon chat qui m'a démonté la main. C'est quoi ce truc? C'est même pas moi qui ai mis le skin. Et là, j'ai un skin de chat. C'est mon chat qui a contrôlé le PC. Non, mais non, mais vraiment, c'est coïncidence de merde. Bon, bah du coup, je lui mettrai, juste parce que je suis énervé envers mon chat, je lui mettrai un 2 sur 10. Et si je suis pas énervé, je lui mettrai un 7 sur 10. Parce que y a rien devant en fait. À son skin devant et derrière aussi. Pff, en fait, il a l'air hyper vide. Non, je mettrais même un 6 sur 10. Il a l'air hyper vide. Hyper vide ce skin. Bon, je vais m'empresser de le changer pour le mien tout à l'heure. Mais il a l'air hyper vide là. Bon, bref. Du coup, voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like.
à vous abonner si c'est pas déjà fait. D'ailleurs, pour le site Ainity, pour Ainity, mon serveur Minecraft, n'hésitez pas à aller voter sur le site du serveur, ça pourra le promouvoir en plus. Et acheter des grades aussi, ça pourra nous aider. Voilà, donc bah voilà, et c'est du coup, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo à tous vos amis, et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, si vous votez sur le site, vous aurez des récompenses. Genre des points en boutique qui vous permettront d'acheter des objets sur le bordélique, par exemple. Et aussi, enfin le bordélique, le faction, et puis aussi des grades à un certain nombre de points boutique. Vous avez 10% de chance sur chaque vote d'avoir un point boutique. Voilà, c'est pour pas que ce soit trop abusé, parce que moi j'ai réussi à faire 30 votes en un mois. Non, non, j'en ai fait 5, 40 et quelques en un mois le mois dernier. Donc voilà, c'est pour pas que ce soit trop abusé non plus. Parce que vous pouvez voter vraiment beaucoup de fois. Bon bah voilà, du coup, à demain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Dark Bo Dark Cat. Tchuss!